Bonjour. Si demain, jeudi 22 septembre, tu es à la SFAR et que tu te rappelles que François Hollande est encore président de la République, que Francis Bonnet est le nouveau président de la SFAR depuis mars 2016, qu'une ampoule de 20 ml de Diprivan contient en fait 200 mg de propofol, un inhibiteur calcique doué d'effets hypnotiques, que la dose de sélocurine lors d'une séquence d'induction rapide est de 1 mg par kilo, que la manœuvre de Selig a été décrite par Monsieur Selig à Londres sur 26 malades en 1961, que le taux sanguin toxique de la lidocaïne naminoamide de 239 kDa est au-delà de 5 microgrammes par ml, que la valeur normale de la pression systémique moyenne est d'environ 8 mm de mercure chez l'homme, mais inconnue chez la femme, que la gentamicine est un aminosine à index thérapeutique étroit, bactéricide de manière concentration dépendante, totalement inefficace sur Nocardia steroides, que l'épuration de CO2 en ECMO ne dépend pas du débit de l'ECMO, mais du débit de gaz frais. Alors si tu te rappelles de tout ça, et que tu penses que c'est dans ton département, ton hôpital, ta ville, ta capitale régionale, que se trouvent les meilleurs anesthésistes réanimateurs de France, viens nous le montrer, viens le prouver. 16h30, amphithéâtre à Vannes, session des jeunes. Mais attention, sois fort, sois très fort.